Écoutez, Firmin, si vous ne servez pas, moi je vais... Mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Eh bien, elle est ennuyeuse, ma sœur. Oh, vraiment. Alors moi qui la félicitais hier, qui lui disais, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait vraiment beaucoup de chagrin, eh bien, au moins depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. Eh bien, c'était bien la peine de la complimenter. Mais qui sait, madame a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Bois d'Enghien. Ma sœur? Mais non, elle n'est pas capable de faire ça. Oh, elle a la nature de mon père. Oh, c'est une femme de principe. Bon, et puis si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors? Bon, et puis quand cela serait? Ce ne serait pas encore une bonne raison pour ne pas être debout à midi et quart. Bon, je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Ah. Enfin, ben non, je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. Oh. Non. Oh, ça vaut la peine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai jamais été mariée, moi. Vous comprenez? La sœur d'une chanteuse de café-concert. Mais est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Enfin, n'importe. Il me semble que si toqué soit-on d'un homme, on peut quand même à midi... Enfin, tenez, regardez les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4 heures du matin? Eh bien alors! Mais c'est très juste! Ah, Marceline! Comment tu fais? Bien, mais t'en prie, t'en cacher! Mais un cachet, pourquoi? Tu es malade? Oh non, moi je suis bien heureuse! Non pour lui, il a la migraine! Mais qui lui? Mais Fernand! Il m'est revenu! Monsieur de Bois d'Enghien? Non! Si! Oh! Firmin, monsieur de Bois d'Enghien qui est revenu! Monsieur de Bois d'Enghien, pas possible! Oh, bien, j'espère. Madame doit être contente. Oh, si, je suis contente. Oh, vous le pensez. Mais tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir. Alors, figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Oh, non, mais c'est affreux. Ne m'en parle pas, s'il n'en était pas revenu, le pauvre chéri. Oh, il est si beau. Oh, vous avez remarqué, n'est-ce pas, Firmin? Quoi donc, madame? Mais comme il est beau, monsieur de Bois d'Enghien. Oui. Oh, j'adore! Oh, c'est lui qui m'appelle. Tu reconnais sa voix? Oh, bah si je la reconnais. Oh, voilà, mon chéri. Et on peut le voir? Oui, oui. C'est Marceline qui vient te dire bonjour. Ah, bonjour, Marceline. Oh, bonjour, monsieur Fernand. Et ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous, Firmin? Ben, pas mal. Un peu de migraine, seulement. Oh, tant pis. Allons, apprête-toi, parce que nous allons déjeuner. Ah, oui! Oh, tiens, non, mais on sonne! Je vais ouvrir. Oh, ils me font mourir d'inanition! Bonjour, Firmin! C'est monsieur de Chenviette. Oh. Et monsieur vient déjeuner. Oui, Firmin, oui, je reste déjeuner. Naturellement. Bonjour, Marceline. Et bonjour. Monsieur ne sait pas la nouvelle? Non. Il est revenu. Qui? Monsieur de Bois d'Enghien. Non, hier soir, parfaitement. C'est un store. N'est-ce pas, monsieur? Mais je vais dire à madame que monsieur est là. Oui. Madame? Quoi? C'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Oh, bon, je viens. Madame vient. Bien, merci. Alors, comme ça, il est revenu. Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Ma pauvre Lucette. Quand elle cessera d'être une femme à tocade? Enfin, son Bois d'Enghien, c'est un charmant garçon, j'y contredis pas. Mais c'est pas une situation pour elle. Il a plus le sou. Oh, mais ça, je sais bien. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus de sou, c'est encore meilleur. Ah. Bon, je ne sais pas, je suis jeune fille. Ah, c'est évident. Bon, et le Rastaquer, alors? Qui? Le général Irigoyen? Oh, il me paraît remis au calende grec. C'est mal. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche, qui se consume d'amour pour elle. Un général! Bon, je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général. Enfin, c'est pas une raison. Oh, et d'un galant. Hier soir, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, eh bien, il s'est fait présenter à moi et il m'a comblée de bonbons! Vous voyez donc bien? Enfin, hier, elle était raisonnable. C'en était définitivement fini avec Bois d'Enghien. Elle avait consenti à répondre au millionnaire, à lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et alors? Parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là? Ça m'en a tout l'air. C'est ridicule. Enfin, ça a l'air bien.
On sonne. Oh, mais qui est-ce qui vient là encore? Bonsoir, Firmin. Entrez, mademoiselle. Bonsoir, tout le monde. Lida Laura. Moi-même. Ça va bien? Mais pas mal. Et mademoiselle, c'est la nouvelle? Non, quoi donc? Il est revenu. Qui? Monsieur de Bois-Dandin. Non, pas possible. Oh, tiens, Nini. Bonjour Gontran. Oh, mes amis, vous savez la nouvelle? C'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu. Oui, oh, crois-tu, ma chère? Je suis bien contente pour toi. Il est là? Oui, oui, oh, attends, je vais l'appeler. Fernand, c'est Nini. Je mets un pantalon. Quoi? Je m'habille. Oh, bien, c'est bon, viens comme ça. On te connaît. Oh, le voici. Et Bibi, hurrah! Mesdames, messieurs, le revoilà donc, maman Frodig. Ah, oh oui, le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire que... Ah, bien, je suis bien content de vous revoir. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle est... Enfin, il est revenu. Oh, il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Allons, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Et tu viens déjeuner, n'est-ce pas? Non, mon petit, justement, je suis venue pour te prévenir. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Bah, je vais dire à Firmin qu'il retire votre couvert. Oui, et qu'il mette les œufs. Oh oui! Oh oui! Les œufs! Les œufs! Et pourquoi ne peux-tu pas? J'ai d'un à faire. Oh, et puis il faut que je t'annonce la grande nouvelle. Ah. Car moi aussi, j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous? Moi-même! Elle aussi? Tout comme une héritière du marais. Oh, mes compliments! Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Enfin, c'est ton amant et il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche donc? Comment ce qu'il cherche donc? Je vous trouve impertinent. Oh, pardon, mais quel amant donc? Je n'en ai pas plusieurs, hein. De sérieux, j'entends. Non, le seul, l'unique, le duc de la Courtille. Je deviens... Duchesse de la Courtille. Oh, rien que ça. C'est super. Oh bien, je suis bien heureuse pour toi. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Eh bien, qu'est-ce que tu as, toi? Rien, c'est nerveux. Oh mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade. Mais non. Merci, lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. À propos de journal, as-tu vu l'aimable article qu'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Mais non! Oh, excellent. Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Hein? Tiens, si tu veux lire... Non, pas maintenant! Comment? C'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner maintenant. Oui, mais qu'est-ce qu'il a? C'est prêt, on va servir tout de suite! Là, vous voyez bien, on va déjeuner. Positivement, il a quelque chose. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Je vais achever de m'habiller. Oh. Vous m'attendez? Oh, oui. Monsieur Ignace de Fontanet. Lui? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, vous mettrez son couvert, faites entrer. Comment tu as de Fontanet à déjeuner? Je te plains. Mais pourquoi? Il sent si mauvais. Oh, c'est une horreur. Oh, ça c'est vrai, il ne sent pas bien bon. Mais c'est un si brave garçon. Oh, voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, ça encore, ça dépend à quelle distance il lui parle. Mais que vous êtes mauvais. Monsieur Ignace de Fontanet. Oh, ma chère Duvel. Oh, c'est bien aimable. Oh, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, avez-vous été contente du brillant article du Figaro? Oh, mais je ne sais pas, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Oh, comment? Oh bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée de la porter. Oh, voyons. Là, je suis prêt. Tenez, là. Donnez-moi ça. Encore? C'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner. Oh, mais enfin, c'est ennuyeux, puisqu'il y a un article sur moi. Eh bien, je le range. Non, mais tire-t-il, ce journal, tire-t-il? Mais enfin, monsieur! Monsieur? Ne faites pas attention. Monsieur de Fontanet, un de mes amis, monsieur de Bois d'Anguin, mon ami. Oh!
Enchanté, monsieur. Moi de même, monsieur. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de mademoiselle Lucette Gauthier, dont la grâce en tant que... Qu'est-ce que vous avez? Rien, vous... Vous trouvez pas que ça sent mauvais ici? Ici? Non. Maintenant, vous savez, ça se peut très bien. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais on me dit ça souvent, et je ne sens jamais. Mais tais-toi donc, voyons, c'est lui. Hein? Ah, c'est... Ah, je vous demande pardon, je ne savais pas. Quoi? Rien. Christique, il sent pas bon. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Eh bien, c'est pas trop tôt. Bon, alors, ma chère amie, moi, je me sauve. Oh, sérieusement, tu ne veux pas? Non, non, sérieusement. Bon, je n'insiste pas. J'espère que quand tu seras duchesse de la Courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Mais au contraire, ma chérie, il me semblera que je m'en canaille. Oh, charmant. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bon, eh bien, viens-t'en. Ah, oui, voilà. Oh, au revoir, ma Nini. Au revoir, ma Nini. Mmh. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Eh bien, mais, la voilà, duchesse de la Courtille. Oh, ça fera peut-être une petite dame de moins. Ça ne fera pas une grande dame de plus. Ça, c'est vrai. Allons déjeuner. Passez, mes amis, je vous en prie, monsieur de Fontanet. Eh bien, toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne viens pas? Si, mais j'ai quelque chose à te dire. Mais quoi donc? Voilà, c'est pour la pension du petit. Le trimestre est échu. Oh, oui, je te remettrai ce qu'il faut après déjeuner. Sache que j'ai du mal à te demander. J'aimerais bien subvenir, mais les affaires vont si mal. Oui, oui, je sais. C'est bon. Oh, seulement tâche de ne pas aller comme la dernière fois, perdre la pension de ton fils aux courses. Oh, tu me reproches ça tout le temps. Sache que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Oh oui, il est joli, le mais, tuyau. Mais parfaitement. C'est le propriétaire lui-même qui m'a dit sous le sceau du secret. Mon cheval est favori, mais ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey, il va le tirer. Eh bien? Eh bien, il n'a pas tiré. Et le cheval a gagné. Oh. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute si son jockey est un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de venir déjeuner. Oh, mais oui, mais qu'elle mange, mon Dieu, qu'elle mange. Allons, viens, ayons égard à la gastralgie de ma sœur. Oh, vite, voilà du monde. Madame est en train de déjeuner et elle a du monde. Oh, mais combien je regrette. Il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Enfin, madame, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Oh, madame Gauthier ne me connaît pas. Dites-lui simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, madame. Je vous demande pardon un instant. Le mariage de ma fille avec monsieur de Bois d'Anguin. On me l'avait bien dit, c'est annoncé. Enfin, voyez si l'on peut me recevoir. Hein? Cousin! Après l'arrière. Oui, oui, oui. Pour la chanson, moi je pique des répandes. Oui, oui, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement. Madame. Allons, voilà qu'on sonne à la cuisine, je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit. Je vous demande pardon. J'ai dit, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fin. Ah. Journal très bien fin. Il y a justement, à la quatrième page, une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non, non. Pardon, voulez-vous me permettre? Ah. Voilà, à la rubrique des théâtres. C'est assez intéressant. Voilà. Tous les soirs à l'Alcazar. Grand succès pour mademoiselle Maya dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé. » Tenez, si vous voulez vous rendre compte par vous-même.
Mais enfin, monsieur, que voulez-vous que ça me fasse, que mademoiselle je ne sais comment chante qu'on lui a fait du pied de cochon truffé? Comment? Ça doit être quelque stupidité. Ah non! Non, c'est de moi. Ah, je vous demande pardon, monsieur. Pardon. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Oh, littérateur, par vocation. Mais clerc de notaire, par étant. Eh bien. Je n'ai pas encore pu voir, madame. On avait sonné à la porte de la cuisine pour ce bouquet. Martin, il est beau. Et vous en recevez beaucoup comme ça? Oui, nous en recevons beaucoup, monsieur, oui. C'est au moins un Rothschild là, qui envoie ça. Eh bien, je ne sais pas, monsieur. Il n'y avait pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Si vous alliez annoncer, maître d'hôtel. C'est juste, madame, c'est juste, oui. Ah oui, vous vous rappellerez mon nom. Oui, monsieur Bastin. Non! Bouzin! Bouzin, parfaitement. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, c'est inutile. Bouzin, je me souviendrai, pour la chanson « Moi, je pique des épingles ». Parfaitement. Attendez, je suis sûr qu'avec ma carte... Il va écorcher mon nom. C'est évident. Oh. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça serve à quelqu'un. Non, je ris. Je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique dans les épingles. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson, moi, je pique dans les épingles. Pas du tout, monsieur, pas du tout. Oh, il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai fait ça. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. Moi, je pique dans les épingles, dans les pelotes des femmes que je distingue. Non, l'air n'est pas encore fait. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingle, j'aurai pas de plaisir. Hein? Ah oui. N'est-ce pas? Mon Dieu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Non. Et encore, les jeunes filles. Faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Mais à celles qui comprennent... Ça leur apprend rien du tout. C'est évident. Hein? Oh, je vous demande pardon, madame, de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Est-ce que ce n'est pas vous qui chantez tous les soirs à l'Eldorado? C'est moi qui suis le drapeau de la France. Okay. Non, monsieur, non. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas une artiste. Ah. Baronne du Verger. C'est pas ça alors, c'est pas ça. Eh bien, vous avez dit à Lucette Gauthier pour ma chanson. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Hein? Voilà, monsieur. Ça ne m'étonne pas. Pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher. Une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui. Vous comprenez, je suis habitué à voir ce que l'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Vous remerciez, mais je travaille toujours sans collaborateur. Je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile. Et elle a du talent, au moins, elle. Mais comme vous voudrez, monsieur. Stupide, ma chanson.
Et moi qui... Oui. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. C'est pour moi. Avez-vous... Oui, madame, oui. Mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et ne peut causer d'affaires en ce moment. Oh, mais c'est très ennuyeux. Mais madame ne peut pas passer un peu plus tard. Il le faudra bien. C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Dites à madame que je repasserai dans une heure, voulez-vous? Bien, madame. Par ici, madame. Tout le monde est parti. On peut rentrer. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? On dirait que tu es triste. Moi, pas du tout. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes. Je t'adore. Oh, chérie, va. Je ne sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet. Où ça? Là. Oh, superbe. Tiens, mais qu'est-ce qui a envoyé ça? Attends, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Comment c'est Bouzin? Oh, vraiment, je suis touchée. Oh, le pauvre garçon. Moi qui lui ai fait rendre sa chanson de façon si... Sans façon. Ah oui. Alors, vous savez, c'est l'auteur de Moi, je pique des épingles. Je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Oh, oui, oui. Mais aussi, c'est vrai. Pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Si seulement il y avait quelque chose à faire. Oh, il embaume. Oh, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dedans? Un écrin. Un écrin? Mais oui. Oh non. Oh, c'est trop. C'est trop. Mais regardez-moi ça. Une bague, rubis et diamants. Oh, quelle belle. Et c'est ce Bouzin qui envoie ça. Mais il est donc riche. Madame, à le voir, je ne m'en serais jamais douté. Il est toujours mis. On lui donnerait 2 sous. Enfin, il est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. Enfin, je dirais même plus. Riche et amoureux. Oh, vous croyez? Tiens, tiens, mais si on pouvait lancer ce Bouzin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Mais c'est cette chanson. Oh, voyons, il doit bien y avoir un moyen de l'arranger. Avec un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur? Oui. Quelqu'un comme vous? Ah. Moi? Excellente idée. Oh, c'est... Oh, mais c'est... Oh, mais des idées, c'est pas ce qui me manque. Ah. C'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Parle comme beaucoup de gens. Pourtant, une fois, j'ai essayé de faire une chanson. Ah, une espèce de si. Hein. Je me rappelle, c'était intitulé Apfeut. Mon Dieu, quelle drôle de manie ont les gens à odeur de vous parler toujours dans le nez. Et ils vous ont 20 à bout? Mon Dieu, comme je pue. Oh oui. Quoi? C'est pour quoi rit-on? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, non, c'est faux. Non, qu'il n'est pas ça, Dieu. Ah, c'est Fernand qui n'est pas. Mais c'est ce que j'ai bien pu dire. Je ne sais pas du tout. Mais je vous dis, ne cherchez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Tenez, parlons de choses plus sérieuses. On vous verra en concert ce soir. Ah non, ce soir, impossible. Je vais dans le monde. Tu restes. Je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne chante pas ce soir. C'est mon jour de congé. Eh ben, ça se trouve bien. Moi, je me rends chez une de mes vieilles amies. La baronne du Verger. Sapristi, ma future belle-mère. Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur... Oh, mon Dieu. Attendez donc, on m'a dit le nom. Mais non, mais ça fait rien, ça fait rien, ça nous est égal. Monsieur... Mais non, il a un nom dans le dent de veau. Mais non, ça n'est pas possible, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que tu vas être agité comme ça? Mais je ne suis pas agité. Seulement, je sais bien ce que c'est. Je sais bien ce que c'est comme les gens qui vous disent « Attendez donc, c'est un nom qui commence par un cul. » Ah, c'est ça. Duval. Ah non. Qu'est-ce que ça nous fait, le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Oh, cherchez donc pas, allez, cherchez donc pas. Oui, qu'est-ce que c'est, Firmin? Rien, madame, c'est cet homme Bouzin qui dit avoir laissé son parapluie. Bouzin? Oh, mais faites l'entrée. Oh. Allez, Firmin, dépêchez-vous. Oh, mais entrez donc, monsieur Bouzin. Monsieur Bouzin, mes amis. Monsieur Bouzin. Monsieur. Madame.
Je vous demande pardon. C'est que je crois avoir oublié... Oh, mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Oh, messieurs, vraiment? Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide? Votre chanson? Oh, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi. Mais d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Hein? Ah, le... Ne parlons pas de ça. Oh, comment n'en parlons pas? Merci, c'est d'un galant de votre part. Ça, c'est vrai, c'est d'un galant. Et ma bague? Vous avez vu ma bague? Oui, oui, votre bague, oui. Oh, elle est superbe. Oh, vous voyez, je l'ai à mon doigt. Ah oui, oui, en effet, elle est... Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? Oh, c'est le rubis, surtout, qui est admirable. Le rubis? La chose, là. Oh, oh là là, quand on pense que c'est si cher, ces machines-là. Oui, mais j'ai su l'apprécier. Car enfin, ça n'en a pas l'air. Une bague comme ça, ça vaut plus de 7000 francs. 7000 francs? Mais oui, ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans. Et ben quand il faut sortir 5000 francs pour ça. Vous savez, je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il fait là. Lui, il est impair. Eh bien, au moins ça prouve la générosité du donateur. Oui. Et son imbécilité. Alors, pour en revenir à ma chanson. Eh bien, voilà. Ah bien, ma chère diva, comme je vois que vous avez à travailler, je vais vous laisser. Oh, vous partez. Attendez, je vous accompagne. Oh, je vous en prie. Oh, du tout, du tout. Eh, tiens, viens avec moi, toi. Par la même occasion, je te remettrai ce que tu sais pour le petit. Ah, bon. Tu pourras l'envoyer immédiatement. Vous permettez, monsieur Bouzin. Ah, eh bien, voulez-vous que je vous dise, vous... Vous êtes amoureux de Lucette. Moi? Oui, oui, oh, pas besoin de dissimuler. Vous êtes amoureux. Eh ben, dis donc, du courage. C'est le moment, allez-y. Hein? Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. À moi? Mais je vous assure. Tout à l'heure, pas un mot aujourd'hui. Vous attaquerez demain. C'est drôle. Pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Oh. Je vous demande pardon de vous avoir laissé. Mais comment non? Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Oui! J'en suis pas amoureux du tout. Alors voilà. Votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots, elle est charmante. C'est très aimable de votre part. Et cet autre, oh, qui avait compris, hein, qu'elle était stupide. Oh. Mais enfin, vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien, votre chanson, elle est charmante, hein, je le répète. Mais comment dirais-je, elle manque un peu de... caractère. Ah, cependant... Ah non, non, il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. Hein? N'est-ce pas? Oui, oui. Et puis moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme. Ah, oh, la forme. Ah. Hein? Oh, oui, elle est défectueuse, mais encore la forme, je passe par-dessus. Et puis enfin, ça manque de traits, c'est un peu gris. Ah, oh, oui, oui. Ah, ça, c'est enfin vrai, ce qu'il dit là. Hein? Non, on sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit. Ah, ça... Mais c'est la chanson d'un homme d'esprit. Qui l'aurait fait écrire par un autre. Voilà. Ben ça, c'est curieux. Hein? Enfin, à part ça, vous la trouvez bien. Oh, mais très bien. Oh, très bien, très bien.
Alors voici ce que nous avons pensé. Avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, je l'ai déposée chez moi. Oh, c'est dommage. Mais ça ne fait rien. Je demeure rue des Dames. C'est à deux pas, je peux courir. Oh, bien, si ça ne vous dérange pas, au moins nous pourrons travailler utilement. Mais comment donc? C'est bien le moins. Et vous savez, tout ce que vous voudrez. J'ai le travail très facile. Ah. Oui. Moi, je vous écris une chanson comme ça du premier jet. Non, vrai. C'est beau de pouvoir faire aussi mauvais du premier coup. Eh bien, votre parapluie. Ah, mon parapluie. Je vais et je reviens. Et maintenant, moi, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du bousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. Oh, c'est ça. Oui, ce sera charmant. Oui, dépêchez-vous. Par exemple, si je sais comment je vais m'y prendre. Oh. Oh. Tu m'aimes. Je t'adore. Oh, chérie. Et c'est pas comme ça, en tout cas. Oh, mais que je suis heureuse de te revoir là. Je n'en crois pas mes yeux. Oh, vilain. Si tu savais le chagrin que tu m'as fait, j'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini. Enfin, je te rais. Oh, dis-moi que je te rais. Tu m'auras. Et que ça ne finira jamais. Jamais. Oh, mon nom. Oh, ma Lulu. C'est pas ça du tout. Je suis mal embarqué. Oh, vois-tu. Oh, voilà, comme je suis bien. Bah, pas moi, par exemple. Je voudrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Bah, tu sais, 20 ans, c'est long. Oh, je te dirais, mon non-non, tu me répondrais, ma Lulu. Ah, et la vie s'écoulerait. Ce serait récréatif. Oh, malheureusement, ce n'est pas possible. Tu m'aimes. Je t'adore. Mon chéri. Pristique, c'est mal engagé. Tu viens m'habiller? Oh non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Mais si, tu as l'air triste. Eh bien oui, puisque tu veux le savoir, j'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais quelle situation? La nôtre. Aïdon. Et puisqu'aussi bien il faut en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre mon courage à deux mains tout de suite. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Il le faut. Aïdon. Oh mon Dieu! Tu te maries? Moi? Ah bien. Et à propos de quoi? Eh bien pourquoi? Alors pourquoi? Mais... à cause de ma position de fortune actuelle, ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites... C'est pour ça. Oh, mais ne suis-je pas heureuse comme ça? Oui, mais ma dignité... Oh. Mais laisse-la où elle est, ta dignité. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Allons, ça va bien? Ça va très bien. Oh, de toute façon, si ça t'arrivait... je sais bien ce que je ferai. Quoi? Oh, ce ne serait pas long, va. Une bonne balle dans la tête. À qui? À moi, donc. Ah, oh, bon. Oh, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur. Si j'apprenais jamais, ou si je lisais dans un journal... Sapristi, un Figaro! Mais je suis folle, puisqu'il n'en est pas question. À quoi bon me mettre dans cet état? Mais il en pousse, il en pousse! Tu m'aimes. Je t'adore. Oh, chérie, va. Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Dis donc, je fais recommander la lettre. As-tu un timbre à 40 centimes? Oui, attends par là. Tiens, attends, voilà 40 centimes. Mais j'en ai pas besoin de tes 40 centimes. Mais moi non plus. T'as pas la langue que tu fasses cadeau de 8 sous, c'est drôle ça. Comme tu voudras. C'est curieux, tenez. Voilà tes petites choses que les femmes ne sentent pas. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air embêté. Non, c'est pas embêté qu'il faut dire, mon cher, c'est désespéré. Quoi ça, mon Dieu? Tenez, vous seul pouvez me tirer de là. C'est pour une chose que je le sais comment dire à Lucette. Je peux bien dire ça à vous, vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon cher, je me marie. Vous? Ce soir. Le contrat se signe ce soir. Sapristi. Voyons. Au fond, c'est son intérêt, cette rupture. Et comment? Si elle voulait, en ce moment, elle aurait une occasion superbe. Eh bien, dites-lui, que diable, parle-lui sérieusement, elle vous écoutera. Ah, ça? Le général Irigoyen. Ah, faites-le rentrer. Non, attendez,
Attendez qu'on soit parti. Venez, venez avec moi. Et pourquoi? Parce que c'est l'occasion, là. Hein? Est-ce que ce sera elle? C'est le moment. Oh, fichtre! Mais qu'est-ce qui a sonné, Firmin? C'est le général Irigoyen, mademoiselle. Le général? Vite, faites-le entrer, allez prévenir ma sœur! Si monsieur veut entrer... Bueno, Johan! Général! Ah, madame la sœur, je suis bien la vôtre. Garçon! Garçon! Parlez des pieds. Ben, c'est moi? Naturellement que c'est vous. Ça n'est pas moi. Que bruto, c'est hombre. Allez dire, madame la maîtresse, yo suis là. Oui, monsieur. C'est un général auvergnat, ça. Voilà, madame. Elle, madame, 7 jours, est le plus belle de ma vie. Pardon, monsieur, le général Irigoyen, le 7. Somme. Oh, général, je vous demande pardon, monsieur. C'est rien, mon interprète. En général, je suis ravie de faire votre connaissance. Quelle est la vie, il est pour moi, madame. Antonio, hein? Allez attendre ma disposition dans la vestibule. Voilà. Oh. Mais que c'est aimable à vous. Justement, j'adore les fleurs. Quel est le suis-je? Oh. Moi aussi, je les adore. Oui, mais il ne dit ça que pour madame. Oh. Mais vois donc, Marceline, est-ce beau? C'est laissant vos souchettes que je mets à vos pieds. Mais souchettes? C'est laissant des rosses que je mets aux pieds de la reine des rosses. Oh, oh, oh. C'est toute motte. Oh, vous êtes galant, en général. Il fait ce qu'on peut. Bah, c'est égal, il pourrait prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Moi? Laisse-nous, la sœur. Allez-vous sans, mademoiselle. Oh, mais c'est un sauvage. Oh. Ah. Excusez-moi. Vous, c'est vous que je suis là, près de vous. Asseyez-vous donc, général. Je n'en puis pas. Vous ne pouvez pas. Je ne puis pas, je suis trop émoute. Oh. Porque quand je recevais cette lettre de vous sousquer, elle m'accordait la grâce d'une entre vous pour tous les dossesses. Caramba, caramba, oh. Que je ne puis dire. Oh, mais qu'avez-vous? Vous semblez ému. Mais je suis ému, porque je vous aime, vous êtes... Et quand je vois que je suis là, tous les deux cesses, l'oussa... Oh, prenez garde, général. Vous abordez là un terrain dangereux. Je ne crains pas les dangers. Dans mon pays, j'en étais ministre de la guerre. Vous? Soi-même. Oh, général, mais quel honneur. Un ministre de la guerre. Est-ce? Quoi, est-ce? Est-ce, ministre? Je ne le suis plus. Oh, et qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à mort. Vous? Ok, quand je suis enfoncé en France pour acheter pour mon gouvernement 2 croiseurs, 3 cuirassés, 5 torpilleurs, eh bien, je les ai perdus au baccarat. Oh, perdus au baccarat? Et comment avez-vous fait? Bah, je n'ai pas eu de la chance, voilà. Oh. Mais au Pacara, c'est toujours le même. Quand ils ont les 8, il y a 9. Et pour que ça, ils n'ont pas eu beaucoup de l'argent. C'est mal, ça, général. Oh, basta, rien de tout. J'ai toujours assez pour les mettre à disposition de usted. À ma disposition? Tout est. Mais à quel titre? Mais à la titre que je puisse vous aimer. Pour qui je vous aime, vous êtes? Si, si, je vous aime. Et mon cœur, il est trop petit pour contenir tout ce que y a de l'amour. Par le charme qu'il est à vous, vous m'avez pris. Vous m'avez, pardon. Un moment. Eh bien, vas-tu? Antonio. Général. Comment se disait ce
subjugar en francés. Subjugué, général. Bueno, gracias, Antonio. Gracias. ¿Por qué vous m'avez souchouqué? Et non, tout ce qui est à moi est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar, la dernière, jusqu'à la misère, que je l'aimerai encore pour qu'elle venirait de vous. La misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, pardon, je le sais. Je n'ai pas toujours été riche. Avant que je sois entré dans l'armée comme général, je n'avais pas de l'argent. J'étais un professeur modique qui devait pour vivre aller dans les familles pour donner des leçons des Françaises. Des Français? Si. Vous le parliez donc? Je vais vous dire. Dans mon pays, je le parlais bien. Et ici, je ne sais pas qui je le parle mal. C'est ça. Asseyez-vous donc, général. Ah, Je ne puisse, devant vous, je ne puisse être assise qu'à genoux. Oh. Vous êtes la divinité que l'on s'agenouille devant, une sainte que l'on adore. Oh, général. Oh. Où est votre chambre? Hein? Non, je dis, où est votre chambre? Mais enfin, général, en voici une question. Mais c'est la mort qui parle par ma bouche, parce que c'est là où je voudrais vivre. La beauté, la chambre, la beauté, la... Pardon. Un moment. Un moment. General. Antonio. General. Comment se dit tabernaculo en français? Tabernacle, général. Bueno, gracias, Antonio. C'est comme la tabernacle où il est la religion, la déesse que l'on adore. Oh, général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours. Mais je vois, je pense que vous avez là à les doigts une bague. Ah oui, tout à fait, une bague. Elle est jolie, vous trouvez? Oh, c'est une babiole. Une babiole? Qu'est-ce que c'est, une papiole? Oui, enfin, c'est une bagatelle. Ah, si, une bagatelle. Pardon, un moment. Oh, non, non, non. Antonio! General! Que cosa significa bagatelle en espagnol? Pardon, qu'est-ce que c'est une bagatelle? Oh non, je disais au général que c'est une bagatelle. Ah, la señora dice que usted es poca cosa. Ah, así un bagatelle. Sí. Ah, sí. Bueno, gracias, Antonio. Gracias, general. Gracias, Antonio. Ah, sí, un bagatelle. Oh, j'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien, ça, Lucette. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Général? La bague, c'est moi qui l'ai envoyée ce matin comme une bouquette. Vous? Et elle dit? C'est lui? Si! C'est vous? Si! Lui? Oh! Oh, c'est trop fort! Épouse à la femme! Il a eu l'audace! Il a eu l'audace! Oh, c'est trop fort! Rien. Eh oh! La bague là! Elle ne vient donc pas de la mer, hein? Oh, la bague là! Oh non, pas du tout! Mais je croyais que vous vouliez parler d'une autre, celle-là, non! Oh! Mais je ne savais pas que c'est vous que j'avais en remercier! Rien, c'est une bagatelle! Oh. Et je vous permets d'apporter. La bracelet qu'elle va avec. Oh, général. Oh, vraiment, vous me comblez. Mais qu'ai-je pu faire pour mériter? Je vous aime, voilà. Oh, vous m'aimez.
En général, pourquoi faut-il que cela soit? Por qué se la es? Non, non, ne dites pas ça. Yo lo dis. Ah, alors, général, remporter ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Por qué, por qué? Parce que je ne peux pas vous aimer. Qu'est-ce que tu dis? J'en aime un autre. Vous? Un autre? Un homme? Naturellement. Caramba, caramba, mais... Qui est cet homme? Que je le visse? Que je le sache? En général, calmez-vous. Ah, vous me l'avez bandit qu'il était un autre homme à vous. Un homme joli. Oh oui, joli, hein. Mais je ne l'avais pas cru, porque il avait reçu votre lettre. Et il existe. Et il existe. Quel est cet homme? Enfin, général, je vous en prie. Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Oh, Lucette. Que vous me donnez mal à la cœur. Mais est-ce ma faute? Voyez-vous, tant que je l'aimerai, je ne pourrai pas en aimer un autre. Et combien de temps il faudra à vous pour ça? Combien de temps? Oh, mais je l'aimerai tant qu'il vivra. Bueno, je sais maintenant ce que je dois faire. Quoi? Rien n'est, je sais. Oh mon Dieu, il me fait peur. Oui, qu'est-ce que c'est? Entrez. On demande si Lucette Gauthier peut venir un instant. Ah oui, oui, tout de suite, oh l'imprudent. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ah, bonjour, monsieur. Oh, mon Dieu. Monsieur de Bois-Donguin, général, un camarade. Ah, mais un camarade, c'est le mot, un camarade, pas davantage. Un camarade, c'est rien du tout. Oh, mais je crois bien, pour rien du tout. Oh là là, et même moins. Ah, voilà, c'est un camarade. Madame? Oui. C'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée. Je l'ai introduite dans la salle à manger. Ah, bon, je viens. Je vous demande pardon, général. Je suis à vous tout de suite. Bien vous plaît. C'est que j'ai à m'en aller, moi. Oh, mais reste encore un peu. C'est l'affaire de 5 minutes. Cause avec le général. Bon, alors, vite, vite. Oui, hein. Oui. Il est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Très ambulatoire, comme vous dites, général. Alors vous et Ave Lucette, à la concerte la même. Comment je suis? Puisque vous, les camarades, je demande si vous êtes à la café-concerte la même. Oui, oui, parfaitement, de la même, de la même, du même. Crénom d'un chien. Vous, vous les ténors. Ténor, c'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Pendant que j'y suis, n'est-ce pas? J'ai vu ça à la tête. Ah, vraiment? Vous êtes physionomiste. Mignonne, quand la nuit descendra sur la terre et que le rossignol... C'est un chanteur du boui-boui. Dites-moi, monsieur Bodegué. Non, pardon, Bois d'Anguin. Yo dis Bodegué. Ah bon. Vous la connaissez bien, mademoiselle Gauthier. Madame. Alors dites-moi, il paraissait elle a une amante. Hein? Yo sais, il me l'a dit. Ah, et tiens, moi qui faisais la bête pour qu'il ne sache pas. Un homme joli. Ah, mon Dieu, je suis bien mal placé pour... Je ne vois pas d'homme très joli ici. Merci. Alors, puisque vous le connaissez, qui il est? Bien. Depuis après tout, puisqu'il y tient un temps. Vous voudriez bien que je vous le dise? Ah, il vous prie. Eh bien, c'est... Ah! Oh! Vous voudriez bien le savoir? Si, si. Par qui vous le tuez? Nous tuer, sapristi! Elle est bonne. Bueno, c'est... Oui, tout à l'heure, tout à l'heure. Bueno, 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 bueno. Merci de me tuer. Ah, eh bien, moi, ce soir, je chante dans le monde. Vous permettez, général, un moment. Tu ne peux pas venir m'entendre, j'ai des invitations blanches. Non, non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Et vous, général? Avec plaisir. À la bonne heure, tenez, voici une carte. Gracias. Eh bien, je reviens. C'est heureux qu'il m'ait prévenu tout de même, moi qui allais lui dire. Bueno,
Comment elle s'appelle? Qui ça, elle? L'homme. Mais quel homme? L'homme, il est joli. Ah oui, oui, Bouzin. Il s'appelle Bouzin. Poussin. Poussin, il est une motte. Il me donne froid dans le dos. Monsieur Bouzin. Hein? Il fiche. Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là. Non, oui, oui. Pardon, monsieur Poussin, elle? Oui, monsieur. Oui, c'est Bouzin, là, c'est Bouzin. Enchanté que je vous vois. Croyez, monsieur, que la réciproque... Donnez-moi votre carte. Ah, oui, volontiers, avec plaisir. Mon Dieu. Et voici la mienne. Ah. Ouh, général, Irriga. Ça va. Général. Et maintenant, je vous prie, vous les libres demain à la matine? Demain matin? Oui. Pourquoi? Porque je veux vous amener à la terre. Porque je veux votre tête. Porque je veux vous tuer. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Général! Porque il n'aime pas qu'il ait une baguette dans mes roues. Et quand il est un obstacle, je ne saute pas par-dessous. Je le supprime. Ah mon Dieu, mais lâchez-moi, mais voulez-vous me lâcher? Mais voyons, mais général! Laissez-moi, Porque! Et puis, je vais vous dire une chose. Vous, les pas jolis du tout, vous savez. Vous, les pas jolis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, madame! C'est monsieur! Oh! Bouzin ici! Sortez, monsieur, sortez! Comment, monsieur, tu as rapporté la chanson? Oh! Eh bien, remportez-la, votre chanson! Elle est stupide, votre chanson! Stupide! Il est stupide, la chanson, stupide! Allez, sortez, monsieur, sortez! Moi? On vous dit de sortir, sortez! Allez-vous-en! 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 Oh! C'est une maison de fous! Oh! Non, elle se moque pas du monde comme cet homme-là! Oh. Merci, Lucette, que vous l'avez fait pour moi. Et quoi donc? Que vous y avez chassé cet homme! Ah, si ce n'est que ça, je vous assure qu'il ne viendra plus. Merci, Lucette. Encore lui? Allez-vous-en! Oh. Vous avez oublié mon parapluie! Allez-vous-en! Ready. A pen, please. Again? Then you wish my lover to pick his fingers. Oh, Miss Viviane, shocking. Eh bien, Viviane, es-tu prête? Mais quand Miss aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Qu'est-ce que tu dis? Malheureuse enfant. Enfin, tu en plains de ces comparaisons. Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai. Pauvre petite. Oh maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. Comment elle n'y assistera pas? Non, moi qui aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. Oh, mais pas du tout. Miss, il faut absolument que vous restiez pour notre soirée. What? Je dis, il faut absolument que vous restiez pour notre soirée. Il faut vous rester pour soirée de nuit. Soirée. Danse. Elle n'a pas saisi une syllabe. Et ce n'est pourtant pas difficile à comprendre ce que je lui dis. What does that mean? Oh, explique-lui, moi je renonce. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no, and I much regret it.
Foote would have given me the pleasure of getting acquainted with Miss Vivant's lover. But my mother is poorly, and I promised to spend the evening with her. Oui, 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 oui. Ce n'est pas la peine de me dire tout ça. Je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah, oui, oui, oui. Yes, 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 maman malade. Il. Oh, yes. And I'm very anxious about her. At her age, the least illness can become very serious. Et l'on dit que le français est une langue difficile à comprendre. Now, you don't need me anymore. Will you ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais go? Miss demande si elle peut s'en aller. Oh, mais si elle veut, si elle veut. Dis-lui seulement, je lui demanderai de venir demain de bonne heure. Parce que je ne pourrai pas te conduire comme à l'accoutumée à ton cours de chant chez Monsieur Capoul, et je lui demanderai de t'y accompagner à ma place. Bon. Yes, you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Capoul. Oh yes, with pleasure. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, madame. Goodbye, goodbye. Je commence à savoir quelques mots, moi. Alors, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jeu. Mon Dieu, oui. Es-tu contente de devenir la femme de Monsieur de Bois-Longuin? Moi? Ouf, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Il me semble que cela suffit. Pourquoi crois-tu donc que l'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. C'est une dame de compagnie. Homme, voilà. Mais enfin, il me semble qu'il y a autre chose. Et la maternité? Qu'est-ce que tu en fais de la maternité? Ah oui, la maternité. Ça, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'elle marie à faire là-dedans? Comment est-ce qu'il a à faire? Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. Mais enfin, en quoi ne te plaît-il pas, monsieur de Bois-Longuin? C'est un beau nom. Noblesse de l'Empire. Oui, mais il est très bien de sa personne. Oh. Pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid. Alors, d'abord, ça n'est pas obligatoire, et puis, puisque l'on se marie, autant chercher en son épouse son idéal complet, quand ça ne serait que... pour ne pas chercher à le compléter par la suite. Ah, bien oui, mais comme moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours l'homme que je ne peux pas épouser. Mais pourquoi cela? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple? Non, un séducteur. Qu'est-ce que tu dis? Un homme dont on pourrait citer toutes les maîtresses. Oh. Oh. Épouser un homme pour qui les femmes se seraient tuées. Eh bien, voilà justement ce que je reproche à Monsieur de Bois-Longuin. Il est très bien, très gentil, mais il ne fait pas sensation. Enfin, quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui. Mais est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, ça, je n'en doute pas. Et puis, si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est simple. Eh bien, elle me paraît en d'excellentes dispositions pour le mariage. Madame, c'est Monsieur de Bois-Longuin? Oui. Eh bien, faites-le entrer. Bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme. Bonjour, mon chant. Toujours des fleurs, alors? Pour vous, jamais trop. Et puis, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Eh bien, vous n'embrassez pas votre fiancé. Aujourd'hui, ça vous est permis. Mais comment donc? Tout le temps, tout le temps. Prenez garde, j'ai des épingles. Ben, vous n'auriez pas dit que je m'en serais pas aperçu. Voilà ce que c'est que de mettre les mains. Eh bien, encore une fois, là, sans les mains. Gourmand. Et la belle maman, alors? On ne l'embrasse pas? Ah, si, 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 comment donc? Ah, bien, le plat de résistance après le dessert. Et puis moi, au moins, on peut mettre les mains. J'ai pas d'épingle. À la bonne heure.
maintenant une bonne nouvelle pour vous, mon gendre. L'église ayant tous ses services réservés pour la date que nous avons retenue, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Ah bien, j'en suis bien aise. Justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure, comme vous faites durer longtemps vos fiançailles. Ah bien, je suis bien content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Mais ma fille, voyons, pas le grand turc. Ah oui, c'est juste, je fais des réflexions bêtes. Oui, oui. Et puis, c'est ce que je disais à maman, avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, vous avez déjà envisagé... Ah, moi, je trouve ça très chic d'être divorcée. Ah. J'aimerais encore mieux ça que d'être veuve. Tiens, moi aussi. D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir, Dieu merci. Fernand est un garçon sérieux, rangé. Oh oui. Ça? Il a sans doute eu, comme tous les jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse. Jamais! Comment? Pas la moindre petite bonne amie. Ah, mais ça, je ne comprends pas ça. Souvent, je voyais des petits jeunes gens de mon âge courir les demoiselles, ça me passait. Je leur disais, mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes? Oh là 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 là! Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah! Ah! C'était ma mère. Oh, oh, c'est bien ça! Je me suis toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse. Ah, bravo! Bravo! Je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les rinçures de ma vie de garçon. Quelles rinçures? Des rinçures de quoi? Hein? De... Mais je ne sais pas, moi, c'est une expression. On dit comme ça, apporter les rinçures de sa vie de garçon. Ça ne peut pas se préciser, mais ça fait image. Oui, oui, il a raison. Eh bien, moi, au moins, en m'épousant, vous pouvez vous dire que c'est moralement comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Tout sexe à part, bien entendu. Et pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, je n'ai pas eu l'occasion, mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc, à la fin de sa vie d'héroïsme, lorsqu'elle comparut au tribunal de cet affreux cochon. Oh, Fernand, ces expressions dans votre bouche. Bah, comment voulez-vous que je dise, il s'appelle cochon, je peux pas l'appeler Arthur. C'est juste. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore au-dessous de ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame, il y a déjà un monsieur arrivé. Déjà? Qui ça? Monsieur de Fontanet. Fontanet, fiche, le bonhomme de ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous le connaissez? Moi, pas du tout. Ah, je croyais. Priez monsieur de Fontanet de venir nous retrouver ici. Bien, madame. Comment? Ici? Eh bien, je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet. Mon Dieu, il est impossible de le prévenir, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si monsieur veut entrer... Bonjour, baronne, bonjour. Oh, la bonne surprise. Bonjour, ça va bien? Comment vous ici? Moi-même. Ce cher Fontanet. Mais je croyais que vous ne le connaissiez pas. Ah, mais parbleu, je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Et comment? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Ah, oui, oh, oui, ce matin, oui, oh, si peu, je n'avais pas faim, alors... Tiens, et où ça avez-vous déjeuné? Et ben là-bas. Comment ça s'appelle donc déjà? Chez la Divette. L'idiot. Chez la Divette? Qu'est-ce que c'est, la Divette? C'est un restaurant. Le restaurant, la Divette. Qu'est-ce qu'il dit? Comment vous ne connaissez pas le restaurant la Divette? Non. Dis donc, Fontanet, elles ne connaissent pas le restaurant la Divette. Moi non plus. Ni vous non plus, oh. Il va dans un restaurant, il sait même pas comment il s'appelle. Ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant la Divette. Taisez vous donc, voyons, taisez vous donc. Et où le prenez-vous, ce restaurant la Divette? Je ne le prends pas. Hein? Ah, où je le prends? Le restaurant la Divette. Belle maman me demande où je le prends. Eh bien oui, où le prenez-vous? Eh ben, j'entends bien. Quelle fichue idée on a eu de parler du restaurant la Divette. Eh bien. Eh ben, voilà. C'est un peu loin. Ah oh, ben ça ne fait rien, ça ne fait rien. Bon, eh bien voilà, n'est-ce pas? Vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est la place de l'Opéra? Oh ben oui. Bon, vous vous placez comme ça sur le refuge.
vous avez l'opéra devant vous et la vue dans le dos. Vous voyez ça? Très bien. Bon, vous vous retournez vivement de façon à avoir l'opéra dans le dos et l'avenue en face. Mais je me demande, pardon, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de commencer par là tout de suite? Ça, c'est vrai, mais ça ne s'est pas trouvé comme ça. Alors... Et puis, dis donc, vous savez, je vous demande ça, mais au fond, ça m'est complètement égal. Ah oui? Ah bah, alors inutile, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a donc? Ce qu'il y a de plus clair dans tout cela, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas à vous présenter le fiancé de ma fille. Et qui ça, le fiancé de votre fille? Mais lui, voyons, Monsieur de Bois d'Anguin. Comment? C'est lui? Non, mon Dieu, c'est que je comprends maintenant le restaurant La Divette. Comment c'est vous? Quand je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du ventre. Oh, hein? Minari, tiens! Oh! 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 Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous? Vous avez quelque chose? Il a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez? Dites-le! Mon pied, mon pied! Comme ça, ça changera la conversation. C'est vous avec votre talon, là! Moi, comment? Oh! Juste sur mon corps! Vous avez des corps? Il a des corps. Oh, c'est laid, ça! Je sais pas si c'est laid, mais quand on vous marche dessus, c'est affreux! Oh! Sentez-vous mieux, monsieur de Fontanet? Merci, mademoiselle. Un peu mieux. Mais oui, mais oui. Ça n'empêchera pas de signer notre contrat quand maître Lantéry sera arrivé. Ah, c'est maître Lantéry qui est votre notaire. Comment vous le connaissez? Oui, très bon notaire. N'est-ce pas? Ouais, ouais. Il n'a qu'un seul défaut, le pauvre homme. Ce qu'il sent mauvais. Ah. Vous l'avez pas remarqué? Ah, c'est insoutenable. Madame? Une dame est là, accompagnée de deux personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte. Ah, parfaitement, j'y vais. Et qu'est-ce que c'est? Ah, vous verrez. C'est une surprise que je ménage à mes invités. Ah, vraiment? Non, mais à nous, vous pouvez bien dire. Non, 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 non. C'est une surprise. Vous serez content. Tu viens, ma chérie? Oh oui, maman. Mais malheureux! Vous vous apercevez donc pas des... Vous ne vous aperceviez donc pas des transes par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure? Si, mon ami, je ne l'ai compris qu'après. Est-ce que je pouvais penser que vous étiez le fiancé, vous, l'amant de Lucette Gauthier? Mais Lucette, il y a 15 jours que c'est fini. Comment vous... Je vous y ai vu ce matin. Mais ce matin, qu'est-ce que ça prouve, ça? Ce matin, c'était en passant. PPC. PPC? Qu'est-ce que c'est que ça, PPC? PPC, pour prendre congé. Ah. L'adieu de l'étrier. Et surtout, n'est-ce pas, si vous voyez Lucette Gauthier, pas un mot de mon mariage. Elle le saura bien assez tôt. Entendu, entendu. Suivez-moi, suivez-moi, mademoiselle. J'entends la baronne qui revient. Avec sa surprise, sans doute. Monsieur, mais voyons-la. Oh. Oh. Comment c'est vous? Qui ça, elle? Qui ça, vous? Miséricorde! Lucette Gauthier! Oh mon Dieu, t'es fermé! Oh, voilà. Lucette ici, pourquoi? Comment? À la grâce de Dieu! Oh, bien une surprise, voilà bien une surprise, hein! N'est-ce pas? Tenez, mademoiselle, si vous voulez entrer par ici. Ah non, non, pas ici, pas ici! Personne? Bon, et puis ici, si vous voulez. Il a filé, je respire. Bien voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous convient. Oh, mais comment donc, madame, j'y serai divinement. Tenez, si vous voulez poser ça là, ma fille,
Sa fille. Oh, voilà une façon de me parler. Voulez-vous me permettre de vous présenter monsieur de Chenviette, que je me suis permis d'amener, mon plus vieil ami et un peu mon parent, par alliance, en même temps que mon régisseur quand je vais en soirée. Enchanté, monsieur. Oui, ben, il n'y a pas de danger que ma sœur pense à me présenter, moi. Alors vous voyez, mademoiselle, il y a là tout ce qu'il vous faut. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager spécialement pour la circonstance. Oh, je suis vraiment désolée de vous avoir donné tant de mal. Du tout. J'ai tenu en faire une loge digne d'une étoile comme vous. Oh, mais en effet, c'est... Oh, oh que vois-je? Oh, oh, un trône. Un trône? Oh, vraiment, c'est trop. Oh. Mais ça n'est pas un trône, c'est le baldaquin de mon lit. Alors je fais retirer le lit, j'ai mis le fauteuil à la place. Je me disais aussi, c'est bien fait, c'est pas un trône. Alors, mademoiselle, vous voyez derrière ce paravent, il y a tout le nécessaire pour la toilette. Et alors, dans cette armoire, vous pourrez ranger tous vos costumes, elle est vide. Parfait. Et alors, sur cette table, vous avez un timbre électrique. Oh! Comme cela, si vous voulez appeler quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner. Oh. Et alors, cette porte, tiens, qui est-ce donc qui l'a fermée à clé? Michel! Si tu veux faire le tour, la clé de l'autre côté. Alors, vous voyez, mademoiselle, cette porte donne sur le couloir du service. Comme cela, votre femme de chambre aura encore plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. La femme de chambre, mais quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Non, je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh, pardon, mademoiselle, pardon, je suis désolée. Oh, il n'y a pas de mal. Bon, on lui en donnera des femmes de chambre. Voilà, c'est ouvert. Et maintenant, mes amis, si vous voulez venir par là, mademoiselle, pour voir dans le salon si tout est à votre convenance, l'emplacement de l'estrade, du piano... Oh, ça regarde mon régisseur. Geneviève, à toi, mon ami. J'y vais. Si madame veut paniquer... Nous vous accompagnons. Vous venez fontaner. Oh, mais je suis à vos ordres. Oh, pendant ce temps-là, aidez de ma sœur, moi. Ici, je vais faire ma petite installation. C'est ça. Tu viens, Viviane. Oui, maman. Mais où peut-être passer ton fiancé? Mais je ne sais pas, maman. Il prend l'air, sans doute. C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Oh, eh bien, il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Non, mais tu aimes ça, toi. Quand on peut m'humilier. Oh, allons, au lieu de grogner, déballe donc plutôt mes costumes qui se froissent dans ce carton et prends-les dans l'armoire. Oh, toi, tu seras cause que je ferai un coup de tête un jour. Oui, qu'est-ce que tu feras, mon Dieu? Je prendrai... un amant, toi! Oh, mais tu ne me connais pas! Oh, tiens, fais donc attention à la façon dont tu portes ces effets! Oh, là, mon Pristi, tu n'es pas femme de chambre! Parce que si tu étais femme de chambre, crois-moi, tu ne resterais pas longtemps au service des gens! Ben, c'est surtout au tien que je ne resterai pas! Oh, qu'est-ce qu'elle a, cette armoire? Mais on ne peut pas l'ouvrir! Oh, mais elle est peut-être fermée, tourne la clé! Mais c'est ce que je fais, il n'y a pas moyen. Oh, mais comment ça, il n'y a pas moyen? Même pas capable d'ouvrir une armoire. Oh, allez, ôte-toi de là, allez, oh, allez, hop. Oh, c'est vrai que c'est dur, hein? Là, je ne suis pas fâchée. Oh, c'est drôle, on dirait que la résistance vient de l'intérieur. Tiens, essayons à nous deux, viens avec moi, allez. Oh, allez, allez, oh, bien ensemble, hein? Une, deux, trois... Ah tiens, c'est vous! Fernand! Quoi t'en viens? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, eh ben tu vois, je vous attendais. Dans l'armoire? Hein? Oui, dans l'armoire, tu sais. Quelquefois, dans la vie, on a besoin de s'isoler. Et ça va bien depuis tantôt? Oh, c'est bête!
de vous faire des frayeurs pareilles. Oh, idiot, pour remettre les sons comme ça. Je vous ai fait peur. Alors j'ai réussi. C'était une plaisanterie. Tu appelles ça une plaisanterie? Oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire et elle me trouve dedans. C'est ça qui est une bonne farce. Oh oui, elle est jolie, la farce. Oui, bah elle est stupide. Oh, merci. Pourvu que les autres n'arrivent pas. Voilà, tout est prêt là-bas. Oh, bon, dans le gars. Chenviette. Qu'est-ce que ça, vous êtes ici, vous? Ah, mon Dieu, oui. Oui, et tu ne sais pas où je l'ai trouvée? Hein? Dans l'armoire. Comment ça, dans l'armoire? Oui, hein, c'est drôle, hein, n'est-ce pas? Ah, ça, il est fou. J'emporte ça par là. Oui, bon. Par la porte de la femme de chambre. Oh, oui, oui. Mais au fait, tu connais donc les Duverger, toi? Oui, oui, depuis longtemps. J'ai vu la mère toute petite. Hein? Hein? La mère m'a vu tout petit. Alors? Oh oui, c'est drôle. Ah, n'est-ce pas? C'est drôle, c'est très drôle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a à dire comme ça? Et maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Hein? Moi? Et pourquoi ça? Pourquoi? Elle demande pourquoi. Parce que... Il y a des courants d'air, là. Où ça? Partout. Oh, au-dessus de l'estrade. Au-dessus de l'estrade? Il y a des courants d'air? Oh, mais je vais en parler tout de suite à la baronne. Ah ben c'est ça, ça fera des cancans, elle saura que c'est moi qui t'en ai parlé. Mais non, je ne prononcerai pas ton nom. Ah, ben voici la baronne. Oh, je vais en avoir le cœur net. Ma belle mère, je file. C'est bien battu, toi. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Si c'est égal, je serais curieux de connaître le fameux de tout ça. Eh bien, ou peut-être passer mon genre. Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Ah, oui, madame, on me l'a dit. Et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais madame, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon? Mais c'est insensé. Mais enfin, mais madame, mais voyons, monsieur, mais un vent coulis. Mais enfin, mais venez avec moi. C'est ça, parfaitement. Allons voir. Si vous trouvez le moindre courant d'air, mais venez. Vous comprenez, moi, je vous ai dans ces conditions-là. Non, vous êtes absolument insensé. Ah, il n'y en a pas de courant d'air, il n'y en a pas. Vous êtes seul? Alors bon, vous arrivez par là, vous? Ben oui, parce que j'étais parti par là. Ah, vous voyez, j'ai fait ça, 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 et là. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, il y a que j'ai une maison de 5 étages suspendue sur ma tête, que Lucette est ici et que c'est mon contrat de mariage qu'on va signer tout à l'heure. Non! Si! Nom d'un pétard! Ah oui, nom d'un pétard! Et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous m'évitiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette Gauthier de gré ou de force. Et comment? Comment? Ben, je ne sais pas, mais il faut! Je vais essayer. Non, mais où est-elle en ce moment? Où est-elle? Avec la baronne, en train de s'expliquer sur votre vent coulis dans le salon. Oh là, mon Dieu, ça va éclater alors, c'est évident. Oh, mais oui, madame, des courants d'air. Oh, la fiche. Ah, tiens, c'est vous. Eh bien, où étiez-vous? Voilà une demi-heure que je vous cherche. Et moi aussi. Et cherchons ensemble, cherchons ensemble. Mais cherchons quoi, puisque nous nous sommes trouvés? Ah oui, c'est juste... Je ne sais plus ce que je dis. Mais est-il bête? Il bafouille, le pauvre garçon. Il bafouille. Oh, mais c'est incroyable. Incroyable. Voilà, mademoiselle, vous voyez que j'avais raison. Mais en effet, madame. Voix d'Anguin. Vous voilà enfin. Mais je venais. Mademoiselle. Oh là là. Permettez-moi de vous présenter. Non, c'est pas la peine. Elle connaît. Viens avec moi. Viens, je sais où le courant d'air. Viens par là. Viens par ici. Le courant d'air. Mon Terre-Neuve. Je l'embrasserai. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi l'entraîne-t-il comme cela? Pourquoi? Parce que vous alliez faire un impair énorme. Un affaire, moi. Et comment ça? Vous alliez me présenter Monsieur de Bois d'Anguin, mon gendre, ou le futur, le fiancé, quelque chose comme ça? Bah, naturellement. Eh bien, voilà justement ce qu'il ne faut pas.
C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. C'est pour ça qu'il l'a entraîné. Il ne faut jamais prononcer les mots de gendre, futur ou fiancé devant Lucette Gauthier. Parce que... Eh ben voilà. Parce que... Parce qu'il paraît, c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu, il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Vraiment ? Un beau jeune homme qu'elle adorait, qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature fragile. Un beau jour, il a succombé. Oh mon Dieu, à quoi ? À une vieille dame très riche qui l'a emmenée en Amérique. Oh. Alors, flambé le mariage, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer devant elle les mots de gendre, futur ou fiancé. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Aussitôt, crise de nerfs, pamoison, évanouissement. Oh, c'est affreux. Oh, vous avez bien fait de me prévenir. Un roman d'amour. Eh bien voilà, sans moi, hein. Et le monsieur qui m'a prévenu. Mais je suis bien heureuse de savoir cela. Oh, moi aussi. Oh, mais venez, non, venez, non. Venez. Mais pourquoi, non? J'ai encore quelque chose à vous dire, à vous montrer. C'est là-haut. Venez. Tiens. Il est embêtant, moi, dans le gain. Il me fait jouer le rôle de crétin. Dites donc, je vous gêne pas ici. Mais non. Non, parce que je me rase par là. C'est vrai, tout le monde a filé, on me laisse pas tout seul. Comme un pauvre pustiféreux. Ce pauvre fontané. Souffrance, je suis à plaindre. Le général Iroquois. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ah. Comment? On a invité le Rastaquet? Oui, c'est moi. Hé! Arrivez donc, général. Oh, que je suis un pardonnable. Que j'ai perdu un temps que j'aurais pu passer près de vous. Oh, mais non, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Buenos días. Permettez que je vous offre. Oh, des fleurs des champs, quelle idée originale. Oh. Bueno, yo le pensé des fleurs des champs à l'étoile des champs. Oh, charmant. C'est une mode. Oh, très parisien, c'est vrai pour un peau rouge. Et si la bouquette, elle est modique, la ficelle, elle est bien. Oh, un collier de perles, oh, vraiment, général. Rien du tout, c'est une bacati. Oh, il est beau, madame. Oh, je suis contente, vous n'avez pas idée comme je suis contente. Oh, c'est dans un goût, je trouve ça dans un goût. Parole, c'est encore mieux que le mot, vous savez. Oh, général, monsieur Ignace de Fontanet. Enchanté, général! Bien vous prie! Toutes mes félicitations! C'est de façon tout à fait grand seigneur de faire les choses! Bon, c'est beau d'être à la fois millionnaire et galant! Tant il y a de millionnaires qui ne sont pas galants et galants qui ne sont pas millionnaires! Si! Prenez donc une pastille! Qu'est-ce que c'est que ça? Des pastilles que je prends quand je fume le cigare! Alors, inutile, général, je ne fume pas. Y'a la regrette. Prenez tout de même. Pour vous être agréable. Et vous rend grâce. Pardon. Non, mais on n'a pas idée de ce garçon qui nous fait monter trois étages pour nous dire une fois arrivé, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de paratonnerre sur la maison. Madame. Oh, madame, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le général Iroquois. Ça, madame. Qui a été heureux de profiter de l'une de vos cartes d'invitation. Ignorez la contremarque. Oh, mais c'est inutile, vous savez, général, c'est une soirée toute de famille. Écoutez, ça m'est égal de ne venir que pour mademoiselle Gauthier. Oh. Ah, alors, eh bien, au moins, il ne me l'envoie pas dire. Eh bien, mais venez donc. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Moi, mais rien du tout. Tiens,
bodeguer. Allons bon, le général ici. Que vous allez bien nous chanter quelque chose. Comment ça, chanter quelque chose? Bueno, puisqu'elle est ténor. Oh, non. Si, si, si. Mais non. Si, si. Oui, oh, vous savez, mais peu, hein, très peu. Mais je ne savais pas, tiens. Nous ferons de la musique. Allons, ça va bien, ça va très bien. Maître Lantéry, madame. Bonjour, madame la baronne. Messieurs, mesdames. Eh bien, puisque vous voilà arrivés, nous allons pouvoir commencer tout de suite. Vous avez le contrat? Non, mais elle m'éclaire la porte. Et justement, le voici. Parfait. Sapristi, Bouzin ici. Dis donc, Bouzin, là. Bouzin ici? Oh mon Dieu, si le général le voit. Je m'en occupe. Mes amis, mes amis. Si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat. Mais non, parfaitement. Monsieur de Chenviot. Oh, très honoré, madame. Vous permettez, général? Bien vous prie, Cheviot. Ah, mais c'est le monsieur de ce matin. Oh, madame la baronne. On est en pays de connaissance, alors. Mon Dieu. Oui. Madame, vous ne voulez pas assister? Mon Dieu, je vais achever mes petits préparatifs ici. Comme vous voudrez, madame. Et vous, général? Ayez-vous dans grâce, mais il reste avec mademoiselle Gauthier. Naturellement. Venez, venez, Bois d'Anguin. Voilà, voilà. Eh bien, oh, tu vas pas y aller, toi? Ah, tu crois que... Oh, mais non, qu'est-ce que ça te fait, leur contrat? Oh, ah, est-ce que ça t'intéresse? Moi? Oh là 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 là. Est-ce que y'en y vais, moi? Bueno. Ah bah, vous, parbleu, tiens. Il me paraît difficile, cependant, de ne pas assister à mon contrat. Oh, si tu y tiens absolument, tu iras un peu à la fin. Ah oui. Avec moi. Ah, bien. Ce serait le bouquet. Alors, les autres, maintenant. Oui, voilà, voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont après toi? Je ne sais pas, je me le demande. Eh bien, venez, Bois d'Anguin, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur vous attend pour lire le contrat. Poussin! Ah, le général! Poussin ici, encore Poussin! Mettez notre balle, Poussin! Mais en voilà une avant, mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Mais qu'est-ce qu'il a après ce garçon? Ah, excusez-le, madame, je vous en prie. Oh, c'est terrible. Oh, mais c'est très c'est absolument terrible. Mais où sont-ils en ce moment? Un contrat à lire, Bois d'Anguin. Donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi, monsieur de Bois d'Anguin? Comment pourquoi? Oui. Parce que c'est le fiancé de ma fille. Ah, son fiancé? Lui? Oh, ma soeur, mais ce drôle main de secours, Julia. Et voilà, ça y est. Vous avez prononcé le mot de fiancé. Voilà. Moi? Et oui, toi. Et on vous prévient. Vous avez dit de ne pas parler de fiancé. Oh. Voilà, je le flanquer par la porte, Bouzin. Oh mon Dieu, quelle soirée. Oh Dios, Dios, quel il a, Lucette. Oh, Lucette, il est malade. Oh, Lucette. Vite, du vinaigre, en dessert. Oh, mais j'y cours, j'y cours. Mademoiselle Gauthier, revenez à moi. Revenez à moi, mademoiselle Gauthier. Faudrait lui faire respirer de l'air pur. Oui, ben alors, retirez-vous de là. C'est ça. Allons-nous-en tous. Allons. Laissons ces messieurs avec elle et nous, nous finirons de signer par là, nous. Qu'il est là, une clé. Une clé? Oui, voilà, pourquoi. Gracias. Mais vous êtes fous, c'est la clé de mon appartement. Elle ne saigne pas du nez. Yo, veux voir si ça fait le même. Allons par là, nous. Ben, voilà, voilà. Je signe et je reviens. Mais vite, vite, une... De l'eau, du vinaigre, ou le liquide, quelque chose. Ah, attendez, attendez. Oh là 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 là. Préviens-moi.
Gauthier, Gauthier, reviens, moi. Gauthier, te les voilà de l'eau. Oh, gracias. Reviens, Gauthier, reviens, Gauthier, Gauthier. Vous croyez pas que si je lui soufflais sur le front... Non! Mais la pauvre femme, est-ce qu'il a mis dans cet état? C'est le mariage de Bois d'Anguin. Alors bon, du ténor qui lui fait son mariage. Tenez, vous êtes bon, c'est son amant. Là, l'autre crétin. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bon dégueu, il est sous la marte. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous prend? Il est sous la marte, bon dégueu. Enfin, voyons, mais lâchez-moi. Eh ben, ça va-t-il mieux? Vous, il est la marte de mademoiselle Gauthier. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Hein, vous, il est la marte. Oh là, j'ai fait une gaffe. Mais vous avez fini, voulez-vous me lâcher? Oh les gars, tu n'es que là, ta couelle. Moi? Si, il est vous tous les. Oh là, me tue, mais pourquoi d'abord? Pourquoi? Porque yo l'aime. Et qu'il ne supporte pas qu'il ait une baguette dans mes roues. Mais enfin, vous voyez bien que je me marie, qu'est-ce que je demande? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette. Alors c'est vrai, vous ne l'aimez plus, Lucette? Mais puisque je me marie, voyons. Bon dégueu, vous l'avez une amie. Ah, oui. Elle rouvre les yeux. Oui, bah, alors, laissez-moi seul avec elle. Je vais tenter un dernier bateau. Y vais. Gauthier, reviens à lui. Reviens à lui, Gauthier. Que j'ai. Oh. Lucette. Oh, oh, toi. Toi, c'est toi, mon chéri. Oh, Lucette, pardonne-moi. Je suis un grand coupable. Oh, pardon. Ne me parle pas. Tu me fais horreur. Lulu, ma Lulu. Ah, si c'est vrai. Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien. Eh ben oui, là, c'était le mien. Oh, c'était le sien, il l'avoue. Oh, misérable. Oh, Lucette. Oh. C'est bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Tu sais ce que je t'ai promis. Qu'est-ce qu'elle m'a donc promis? Eh bien, c'est toi qui l'auras voulu. Adieu, et sois heureux. Non, mais Lucette, voyons, tu es folle au nom du ciel. Oh, veux-tu me laisser? Veux-tu me laisser? Je t'en supplie, grâce. D'abord, par convenance, ça ne te fait pas chez les autres. Oh, c'est ça qui m'est égal. Et puis, d'abord, écoute-moi. Quand tu m'auras entendu, tu verras, tu te rendras compte. Eh bien, quoi? Quoi? Donne-moi ce pistolet. Non. Non. Parle d'abord. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oui, voilà. Oh, mon Dieu. Voilà. Oh, j'ai chaud. Oh, il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme. Oh là là, ils sont en pétant. Lucette, je t'en prie, du courage, au nom de notre amour même. Notre amour, est-ce qu'il existe encore? Comment s'il existe? Puisque tu te maries. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté et je t'aime de l'autre. Oui? Parbleu. Oh, comédien! Est-ce que je la lâche une fois mariée? Lili! Non. Oh, tu m'aimes! Je t'adore! Oh, chérie, hein? Oh, quelle idée! Alors, nous pourrons nous aimer encore comme autrefois? Madame! Oh, quelle joie! Oh, moi qui me disais, tu ne sais pas ce que je me disais. Non? C'est fini, nos amours d'autrefois. Oh, nos amours, oh là 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 là. Oh, tiens, regarde ces fleurs des champs. Elles ne te rappellent rien? Si, elles me rappellent la campagne. Oui, le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les blés. Ah, voilà ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie, oh. Les te souviens-tu? Oh, te souviens-tu? Là, qu'est-ce que je disais? Nous nous roulions dans l'herbe. Et moi, je prenais un bel épi.
comme ça. Et je te le mettais dans le cou. Non, mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Et alors, il descendait, il descendait. Oui, non, mais c'est stupide, je peux pas le rattraper. Vrai? Il te gêne? Madame! Oh, alors enlève-le! Ben comment ça, enlève-le? Il est sous mon gilet de flanelle! Mais déshabille-toi! Non, mais tu es folle! Alors que ma soirée de contrat est à côté! Mais qu'est-ce que tu as craint? Nous ferons tout! Oh, si quelqu'un vient, on trouvera ça tout naturel, puisqu'on sait que j'ai à m'habiller. On croira que tu es parti. Mais non, mais non! Oh, tu vois bien, je ne m'aime plus! Mais si, mais si! Oh, sans ça, tu ne regarderais pas te déshabiller devant moi! Mon Dieu, mon Dieu! Oh, mais c'est affreux ce que ça pique! Oh, mais ne sois donc pas bête! Va derrière ce paravent et cherche-le, ton épi! Oh, ma foi, tant pis! J'y tiens plus! Oh. Et puis, je vais vérifier que c'est bien fermé! Hein? Cette fois, je te tiens! Oh. Oh, c'est égal, mais c'est raide hein, ce que tu me fais faire là! Oh, mais non, tu vas voir, moi-même, je vais commencer à m'habiller pour les choses que j'ai à chanter! Ouais, ouais. Et puis pourquoi? Après tout, tu as un épi qui te gêne. Il est tout naturel que tu cherches à l'enlever. Oui, on a une façon d'arranger les choses. Oh, mais ne sois donc pas bête. Je le tiens, le coquin. Tu l'as. Oh, donne-le-moi. Pourquoi? Pour le garder. Il a été sur ton cœur. Mais non, je l'avais dans les reins. Donne-le tout de même. Voilà. Oh, que tu es beau comme ça. Oh, mais est-il beau, mon Dieu, est-il beau? Voyons, je t'assure, si on entrait, c'est bien fermé, au moins. Oh, mais oui, mais oui. Oh, te sentir là, près de moi, tout à moi, au gilet de flanelle. Oh, et quand je pense que tout ça va m'être enlevé. Oh, non! Non, je ne veux pas! Non, mais... Oh, mon Fernand, je t'aime! Mais tais-toi, tu vas faire venir! Oh, mais ça m'est égal qu'on vienne! Oh là là, mais tais-toi! On verra que je t'aime! Oh, mon Fernand, je t'aime, mon amour, je t'aime! Mais tais-toi donc, mais tais... Oh, allons bon! Mon amour, je t'aime, Fernand, je t'aime! Allons bon, le téléphone à présent, on sonne au téléphone! Non, je t'aime! Mais tais-toi! On n'entre pas, je vous dis, on n'entre pas! Quelle horreur! Mon gilet de flanelle! Oh, jamais je n'ai été aimée comme ça! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Oh, quel scandale! Une pareille chose chez moi! Sortez, monsieur! Tout est rompu! Mais madame! Demain, à la matine, je vous tournerai. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. 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 Le lendemain du soir, on a signé son contrat à ne pas être encore rentré à 10h du matin. C'est épatant. Moi, je ne pose pas pour la morale, mais quand on est fiancé, on doit rentrer coucher chez soi. Ou alors on fait ce que je faisais, on couche avec sa future femme. Ça n'est pas monsieur, il a sa clé. Ah bien, si tu crois que je vais faire le tour pour t'ouvrir. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le mariage Brugnon, s'il vous plaît. C'est au-dessus, le mariage Brugnon, au troisième. La concierge m'a dit au deuxième. Ah mais oui, au-dessus d'entresol. Ah, ça va, je monte, pardon. C'est passionnant. C'est le sixième depuis ce matin pour le mariage Brugnon. Si ça continue comme ça, je mettrai un écriteau. La mariée est au-dessus. Quelle nuit. Allons bon, encore un pour le mariage Brugnon. C'est pas ici, c'est au-dessus. Hein?
Monsieur? Comment? C'est monsieur? Bah, vous voyez bien que c'est moi. Oh, monsieur. 10h du matin, un lendemain de soirée de contrat. Est-ce que c'est une heure pour rentrer? Oh, fichez-moi la paix, hein. Oui, monsieur. Je vous conseille de parler. Vous, à cause de qui j'ai dû passer ma nuit à l'hôtel. À l'hôtel, à cause de moi? Absolument. Si vous aviez été là quand je suis rentré cette nuit. Mais non, j'ai eu beau sonner, carillonner. Mais monsieur n'avait donc pas sa clé? Mais si, je l'avais bien emporté, seulement... je l'ai oublié dans le dos de quelqu'un. Ah, si monsieur laisse sa clé n'importe où. Parce que c'est de ma faute. Puis d'abord, pourquoi n'étiez-vous pas là? Où étiez-vous? Monsieur le demande? Mais chez ma femme? Chez madame Jean? C'était mon jour. Monsieur sait bien qu'il m'a autorisé une fois par semaine à honorer madame Jean. Oui, et ben vous êtes embêtant avec madame Jean. Embêtant, embêtant pour monsieur? Naturellement pour moi. Oui, parce que pour madame Jean. Mais qu'est-ce que ça me fait, madame Jean? Je ne m'occupe que de moi là-dedans. Je le vois, monsieur. Je vous demande un peu ce qu'elle a de si attrayant, madame Jean. Monsieur me dispensera de lui donner des détails. Je dirai seulement à monsieur que je n'ai pas encore de petits gens. Et comme ce n'est pas monsieur qui m'en donnera, ni personne... Allons, c'est bon. Mais tenez, au lieu de tenir des propos inutiles, et pendant que j'y pense à cette clé, vous allez me faire le plaisir d'aller tout de suite... La réclamer, oui, monsieur. Mais non. Attendez, non. Je la laisse où elle est. Mais d'aller me chercher un serrurier afin qu'il me mette une autre serrure. Oh! Afin que mes anciennes queues ne puissent pas y aller. Ah bon? Oui, monsieur. Non, tenez! Passez par là, ce sera plus vite fait. Bien, monsieur. Monsieur, elle a tout ce qu'il faut pour se changer. Bon, faites vite. Ah, je m'en souviendrai de la nuit du 18 avril 1905. Ah, elle doit être contente de son ouvrage, Lucette. Un scandale épouvantable. Moi, expulsé de la maison, mon mariage fichu, elle doit être contente. Si elle croit qu'elle l'emportera en paradis, et par-dessus le marché, cette nuit, dans cet hôtel, en habit, sans linge, sans rien de ce qu'il faut pour la toilette, j'ai dû coucher avec ma chemise de nuit. Oh, je me souviens. Non, tu vois? Oui, tu vois, la porte est entrebâillée, comme ça se fait les jours de cérémonie. Oh, je veux bien. Allons-y. C'est drôle. Tu es sûr que c'est là? Si, bah, c'est là. Bon, allons-y. Oh! Pardon? Le mariage Bruno, ce n'est pas ici? Bah, vous voyez bien que c'est pas ici, c'est au-dessus. Bah, voilà des façons d'entrer quand je fais ma toilette. Aussi, monsieur, on ferme sa porte, surtout quand on est dans cette tenue. Bah, mais c'est ça, attrapez-moi encore. Je vous ai pas prié d'entrer, c'est pas entrée libre ici. Bah, allez-vous-en, voyons, allez-vous-en. Allez, oh, quel putain! Ah, elle est bonne encore celle-là. Non, mais tu vois, je savais bien que c'était au-dessus. Qu'est-ce que tu veux, maman? Tout le monde peut se tromper. En plus de faire le métier de frontière. Non plus que de faire le métier de concierge ici. Aussi, c'est la faute à cet imbécile de Jean qui ne ferme pas sa porte en s'en allant. Moi donc, viens au deuxième. C'est ici. Allons, bon, on sonne et Jean qui n'est pas là. Qu'est-ce qui peut bien venir à cette heure-ci? Bah, tant pis, on l'attendra. Ah, ça y a donc personne? Encore? Bah, je peux tout de même pas aller ouvrir dans ce costume. Ah, oh, bah voyons! Et toi, qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur de Bois d'Orgard! Vous, mais qu'est-ce c'est que... moi! Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas visible! Oh, ce ne sera pas long! C'est Maître Lanthéry qui m'envoie! Mais non, voyons, je m'habille! Oh, moi, monsieur! Ça n'a pas d'importance! Bon, après tout, comme vous voudrez. Ah! Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà! Et c'est Maître Lanthéry qui m'a chargé de vous remettre cet exemplaire de votre contrat. De mon contrat? Ah bah, il tombe bien. Il est joli, mon contrat. Vous pouvez le déchirer, mon contrat. Comment? Mais d'où arrivez-vous? Vous ne savez donc pas qu'il est rompu, mon mariage? Et tenez, voilà ce que j'en fais de votre contrat. Et moi qui étais chargé de vous remettre la note des frais et des honoraires. La note des frais? La note des honoraires, il en a de bonnes. Tout est rompu, il faudra encore que ça me coûte de l'argent. Ah, cependant... Non mais...
Et qu'est-ce qu'on a à sonner comme ça ce matin? Oui, mais... Oui, tout à l'heure, tenez, Bouzin. Voulez-vous me rendre un service? Je n'ai personne pour aller ouvrir. Voulez-vous y aller? Volontiers. Bon. Non, tenez. Passez par là. Vous suivez le couloir et à droite. Vous direz que je ne puis recevoir et vous m'excuserez. Parfait. On a sonné comme ça ce matin. Oh. Caray, mais bon espérant, tout dans la vida. Oh, oh. On s'impatiente. Voilà. Bon, les Ciel Poussin Le canac. Il m'a nommé la canac. Veux-tu ouvrir, Poussin? Veux-tu ouvrir? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait ce tapage? Le Vous. Le général? C'est Vous. Tout à l'heure, Vous. Poussin, il est ici? Bah oui, quoi. Il m'a nommé la canaque, Poussin, la canaque. Ah, monsieur, c'est le jet... Ah, t'as prêté. Non, mais voyons. Tout à l'heure. Oh. Non, mais c'est ça, il vient de se dévorer chez moi, voisin. Oh. Ne lui dis pas que je monte, hein. Non. Ne... Oh. Ah, faites attention. Ne lui dis pas que je monte. Non. Venez, c'est Poussin. Venez. Mais tenez, il descend. Hey. Ah, Je le vois. Il m'a nommé la canaque. La canaque, c'est hey. Poussin. Hé, hey, cours après, t'auras de la chance si tu le rattrapes. Il est parti? Oui, il est en train de courir après vous. Oh là, mon Dieu. Eh ben, j'espère que vous en avez piqué une de ces courses. Oh, ne m'en parlez pas. Mais qu'est-ce qu'il a après moi, ce sauvage? Hein, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que je suis voué à cette chasse à cour, là, à chaque fois qu'il me rencontrera? Enfin, mais qu'est-ce qu'il me reproche? Il vous l'a pas dit? Il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Moi? Monsieur Faux! Mais c'est absolument faux, mais dites-lui que c'est faux! Ah non, faites quelque chose! Je vous en prie! Jamais, vous m'entendez, jamais, il n'y a rien eu entre mademoiselle Gauthier et moi! Non? Je vous en donne ma parole, d'honneur! Non, j'ignore si mademoiselle Gauthier a un sentiment pour moi. Ne me l'a jamais dit. En tout cas, je sais très bien que de mon côté... Aussi, si mademoiselle Gauthier est allée raconter... Oh bah, alors là, j'ai le regret de vous le dire. Elle se vante. Cette situation-là ne peut pas durer. Faites quelque chose. Voyez le général. Hein, et faites cesser ce malentendu dont les conséquences deviennent menaçantes pour moi. C'est très bien, je lui parlerai. Oui. Le premier choc va être dur. Encore? Oh, tenez, Bouzin, voulez-vous aller ouvrir? Ah non, moi je n'ouvre plus. Ah, je n'ouvre plus. Mais comment? Mais ça n'a qu'à être un nouveau général, ah non. Il va se dire que c'est moi, il n'ouvre pas. Allons, Bouzin. Cousin, je peux tout de même pas aller ouvrir comme ça. Oh, je suis bête. J'ai la clé de son cabinet de toilette que j'ai retrouvée dans mon dos. Oh. Voyons, Cousin. Non. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est moi. Ah Lucette Gauthier. Toi? Vous? Oui, moi. Eh ben, par exemple, c'est de l'aplomb. J'ai à te parler. À moi? Mais non! À toi! Laissez-nous, monsieur Bouzin! Inutile! Vous n'avez rien à me dire qui ne puisse être dit devant un tiers! J'ai à te parler! Laissez-nous, monsieur Bouzin! Soit, veuillez m'attendre à côté, Bouzin, je vous appellerai quand madame aura fini! Très bien! Est-ce qu'elle m'aurait suivi? Eh bien maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais venue pour te rapporter ta clé. Mais c'est très bien, posez-la là.
Je suppose que vous n'avez rien d'autre à me dire? Si. J'ai à te dire que je t'aime. Ah non, pas de ça, madame. Pas de ça, c'est fini, c'est plaisanterie. J'ai pu être bête pendant longtemps, mais il y a limite à tout. Ah, vous avez cru que ça se passerait comme ça? Que vous pourriez briser mon mariage en me ridiculisant par un éclat grotesque? Et qu'il vous suffirait de revenir et de me dire je t'aime pour qu'aussitôt tout fût oublié et que je reprisse ma chaîne? Sa chaîne? Oui, eh bien vous êtes trompé. Ah, vous m'aimez, ben je m'en fiche que vous m'aimiez, j'en ai par-dessus la tête de votre amour. Et la preuve, tenez, la porte est ouverte, vous pouvez la prendre. Tu me chasses, moi? Moi? Bon, et puis pas d'histoire, hein, allez-vous-en, que ce soit fini. Allez-vous-en! Oh, c'est comme ça! C'est bien! Tu n'auras pas besoin de me le dire deux fois! Allez. Mais prends garde! Si tu me laisses franchir le seuil de cette porte, tu ne me reverras jamais! Marché conclu! Mais réfléchis bien! Oh, le fil à la patte! Si tu me laisses franchir oui, le seuil... Oui, 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 c'est entendu! C'est très bien! Mais tu sais... Oh, Fernand, veux-tu m'ouvrir? Fernand, écoute-moi! Non! Fernand, réfléchis bien, tu sais, c'est pour toujours! Oh oui, pour toujours! Ah oui, pour toujours! Oh, un gras sans cœur! Mais tiens! Ton peignoir! Et tes mules! Oh, c'est comme ça! Eh bien, tant pis pour toi! Tu pourras dire que c'est toi qui m'auras poussé à cette extrémité! Hein? Tu sais, mon pistolet! Eh bien, je vais me tuer! Oh, là, te tuer! Veux-tu me donner ça? Oh, jamais de la vie! Allons, donne-moi ça! Oh, ce pistolet! Je le trouve toujours entre nous! Donne-moi ça! Donne-moi! Non! Oh! Un éventail! Oh, tu sais, Fernand, tu sais! C'est avec ça qu'elle se tue! Un accessoire de théâtre! Tu sais, Fernand, je t'aime! Voilà avec quoi elle se tue! Va donc, cabotine! Tu ne me reverras jamais! Jamais! C'est ça, Manon. Et tu oublies ton peignoir et tes mules. Ah oh. Oh là 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 là. Et dire que j'étais assez bête pour donner dans ces suicides. Avec un éventail. Oh. Enfin, j'aurai la paix maintenant. Oh, oh bah non bon. La porte qui s'est fermée. Ouvrez! Oh mon Dieu, personne! Oh là 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 là, mais je peux tout de même pas rester sur le palier dans cette tenue! Oh là là, que faire avec... Oh. Concierge! Concierge! Oh. Monsieur de Bois-Dangin, hein? Oh. Faut même pas oublier! Attends, y a personne? Oh là 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 là, mais où est-il passé? Oh mon Dieu, et dire qu'il y a une noce dans la maison! Ma foi, moi je n'ai qu'une chose à faire, je reviendrai. Oh, mais si je sonnais, vous entendrez peut-être! Ah! Le général! Oh non, ben non, ben non, il n'ouvrira pas, parbleu, il entend, mais il n'osera pas ouvrir! Oh ben je suis bien, moi je suis bien! Concierge! Oh là là là, quelqu'un qui monte! Toute la noce qui descend. Je suis cerné. Allons, dépêchons-nous. Un homme en caleçon. Madame, tout est votre bonheur. Oh, faut se plaindre. Et en gilet de flâneur. Mesdames, messieurs... Pourquoi avertir la concierge? C'est honteux. L'horreur. Venez vous cacher. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas acheter cet appartement.
Oh mon Dieu, quelle position, mon Dieu! Allons bon le général ici! Bondigué en Mayotte! Le général, à présent, il manquait plus que lui! Porqué, vous voulez en Mayotte? Mais porqué, porqué! Vous voyez bien, porqué, que je peux pas rentrer chez moi, ma porte s'est fermée sur mon dos! Il est visible! Ah bah, je ne trouve pas! Eh, vous savez, Boussin, vous savez, cette Boussin? Oui! Il aurait couru après! Oui, bah, c'est très bien, vous l'avez pas attrapé, n'est-ce pas? Si, je l'ai flanqué ma botte! Seulement, il n'était pas Boussin! Ah! Je ne sais comment il fait, quand il s'est retourné, il était ou l'autre. Mais il aura tempéré, cette Boussin, il aura tempéré! Mais très bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bueno, là n'est pas la chose. Qui suis venu, qui vous parle? Non, bah plus tard, j'ai autre chose à faire que de causer! Porqué! Porqué? Il est étonnant avec ses porqués! Porqué, je vous dis que je suis à la porte de chez moi! Oh, bah c'est une bacatille! Mais ça cruche-t-il, voyons! Non, pas causer sur la palière! Oh là là, quel... Mais où il va? Olivier! Oui, tout à l'heure, Où il va? Mais il est fort! Buenos días! Quand il y a des gens qui montent. Mais qu'est-ce que vous avez à filer comme une lapine? Ah, cette porte. Vous n'auriez pas un passe-partout sur vous, n'importe quoi, un rossignol? Un oiseau. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Il veut que ce soit venu, qu'il vous tue. Ah, encore? Ah, zut! Bon, les gars, je suis à vos ordres. Oui, eh bien, très bien. Allez me chercher un pantalon. Un pantalon, moi? Ah, Bondigué, que ne vous fait pas le sceptique? Quoi? Yo dis que vous fait pas le sceptique? Ah, le sceptique! Le sceptique, qu'est-ce que ça veut dire, le sceptique? Parlez donc français, au moins. S-C-E, ça fait pas ce ça fait C. On dit le sceptique, pas le sceptique. Il m'est égal, sceptique. Sceptique, c'est les mêmes. Oui, bah c'est bon. Alors, finissons-en. Vous voulez me tuer? Non. Mais comment ça, non? Il était venu pour, mais maintenant, il ne veut tout plus. Ah, et eh bien, tant mieux. Porque yo vi mademoiselle Lucette Gauthier qu'elle est en bas. Ah. Elle m'a dit une chose qui me fait de la peine, mais que je suis bien obligé d'accepter. Elle m'a dit, il ne serait la vôtre que si Bondigué, il veut toujours être la mienne. Hein? Si. Et il m'est dur. Il m'est dur, surtout quand je pense à... À la sandale d'hier. La sandale? Mais qu'est-ce que c'est que ça, la sandale? Ben, la sandale que vous et Lucette avez fait chez Mademoiselle Duverger. Ah, le scandale, vous voulez dire? Mais vous dites la sandale. S-C-A, ça fait pas ça, ça fait ska. Bondigué! Est-ce que tu t'es foutu de moi? Tout à l'heure! Yo le dis sceptique! Et vous dites sceptique! Maintenant, yo dis sandale, vous dites scandale! Bondigué! Général! Prédigat! Et à quoi non? Bueno! Je disais maintenant, il faut raccommoder à Lucette. Hein? Jamais de la vie! Non? Alors, yo revoue tout! Eh ben c'est ça! Remettez-moi! Mais sacristi, voyons, il faudrait s'entendre cependant! Tout à l'heure c'était parce que j'étais avec Lucette, maintenant c'est parce que je ne suis plus avec elle. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que yo le veux! Mais tout est bête ou quoi? Hein? Yo le veux que Lucette, elle soit à moi! Eh ben oui, à toi, mais pas à moi! Eh ben, il y a un moyen de te trouver! Ah? Bondigué, tu l'es un ami! Tu vas aller! Ça t'est égal que je te tutoie. Il vaut plus. Vous allez dire à Lucette Gauthier que vous m'avez vu et que je refuse tout entretien. Porqué. Porqué.
Porqué à cause de son vice de constitution. Hein? Un vice de constitution qui n'est appréciable que dans la plus stricte intimité. Elle a une vice dans la constitution, vous faites? Mais elle, pas du tout! Voilà! Mais justement, elle est femme, elle a encore plus d'amour propre que d'amour. Et quand vous lui aurez dit, je la connais, la vanité, elle est à vous. Ah, oh, mais je comprends! Bodegué Fernand! Gracias! Muchas gracias! Alors, c'est bon! Bon, yo cool! Adios Fernand et una buena santé! Et tu sais, yo no toto plu! C'est ça! Ni moi non plus! Voilà un raseur avec son oxydomanie! Bon, bah, t'as pas couché là, hein? Hop! Ne fermez pas! Oh! Le diable vous emporte! Et je vous crie en plus, ne fermez pas! Qu'est-ce que vous voulez? Ça a été plus vite que ma volonté! Oh, c'est agréable! Me voilà encore à la porte de chez moi! Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue sur le paquet? Ce que j'y fais, si vous croyez que c'est pour mon plaisir. Ah, c'est amusant! Ah, c'est pas étonnant, parbleu! Oh. Vous êtes habillé, vous? Oh! Quelle idée! Bousin! Monsieur Boisdingue! Bousin! Vous allez me rendre un grand service. Moi, monsieur Boisdingue? Donnez-moi votre pantalon. Hein? Votre pantalon? Oui, je suis fou, vous l'avez dit, je suis fou! Donnez-moi votre pantalon! Ah! Ah! Monsieur Boisdingue! Je vous en supplie! Allez! Donnez-moi votre pantalon! Non! Ah! De grâce, monsieur Boisdingue! Donnez-moi votre pantalon! Ah! Je fais feu! Ah! Allez! Oh! Voilà! Oh! 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 Ah! Oh là là. Quelle situation, hein? Moi, en caleçon, dans l'escalier d'une maison étrangère. Allons, dépêchons. Merci. Votre veste à présent. Mais qu'est-ce qui me restera? Eh bien, il vous restera votre gilet. Allez, vite, votre veste. Allez. Merci. Oh là là. Pourquoi ai-je mis les pieds ici? Oh, le revolver. À nous deux maintenant, mon gaillard. Monsieur de Boisdingue. Mon ami, vous allez me rendre mon pantalon. Oui, mon vieux, oui. Ah, mais je ne plaisante pas. Mon pantalon, je vous tue. Oui, parfaitement, allez-y. Ah non, mais je tire, hein. Je tire. Allez-y. Hein? Seulement, vous ne savez pas vous en servir. Tenez, voilà. C'est comme ça. Oh. Vous ne savez pas vous y prendre, mon ami. Je suis joué. Ce pauvre bousin. Oh. Venez, messieurs, venez. Oh, tu manges. C'est égal. Ça fait du bien de se sentir habillé même dans les vêtements d'autrui. Venez, messieurs, venez.
concierge avec des agents. Qu'est-ce que vous cherchez? Un homme qui est en caleçon, dans l'escalier. Un homme en caleçon? Oh, ouais. Ce pauvre bousin, mais je l'ai pas vu. Si, j'ai pas si. Vu. Si, si, c'est un os brogno qui a porté plainte. Même que j'ai dû aller chercher les agents. Venez, messieurs, venez. Il doit être là-haut. De toute façon, il va pas pouvoir monter plus haut que le cinquième. Il y a que 5 étages dans la maison. Ce pauvre bousin. Oh, Viviane, vous ici? Oui, moi qui viens vous dire, je vous aime. Quoi, malgré ce qui s'est passé, est-il possible? Mais qu'importe ce qui s'est passé, je n'ai vu qu'une chose, c'est que vous étiez bien tel que j'avais rêvé mon mari. Oui. Ce que c'est que de se montrer en gilet de flanelle? I beg your pardon, but who is it? Oh yes, yes, mon institutrice, Miss Betty, Mr. Capoul. Oh yes, I know Mr. Capoul. Mais qu'est-ce que vous dites là, Monsieur Capoul? Mais oui, vous pensez bien que si j'avais dit à Miss que je voulais aller chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite. Alors j'ai dit que nous allions chez mon professeur de chant. Non, mais elle va bien voir. Mais non, elle ne comprend pas le français. Oh, Viviane. Chut, pas de geste, pas de geste. The way do we stay on the stairs? Ah, c'est vrai en fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande ce que nous faisons dans les escaliers. Entrons chez vous. Ah, bah non, c'est impossible, la porte est fermée, on est allé me chercher ma clé. Ah, cependant, pour ma leçon de chant... Eh bien, dites-lui que c'est l'usage, que tous les grands artistes donnent toujours leur leçon de chant dans les cages d'escalier. Il y a plus d'espace. Bon, Mr. Capoul always gives his singing lesson on the stairs. Non, si, it's curious. Sit down, miss, là. Et maintenant, maman peut arriver. Mais votre maman, mais qu'est-ce qu'elle dira? Attendez, il ne s'agit plus de parler maintenant. Nous sommes à ma leçon de chant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le-moi en chantant. Comment? Vous voulez que... Eh, mesdames, sans ça, ça va éveiller les soupçons de Miss. Tenez, prenez ça. Et maintenant, vous disiez? Ben, je disais, mais votre maman... En chantant, en chantant. Mi. Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Quand elle saura, elle voudra pas. Maman, j'ai laissé un mot où je lui ai dit, si tu veux me voir, tu me trouveras chez Monsieur Bois d'Anguin, guinguin. Elle qui m'a flanqué à la porte hier au soir. Oh, it's nice, very nice. N'est-ce pas? Oh, yes, Beethoven. Oh. Bon, bah tout ça, c'est très gentil. En chantant. Mais tout ça, c'est très gentil. Titi, si votre maman, dans sa colère, m'envoie promener après tout ça. Allons donc, est-ce que c'est possible? Maman criera, mais comme je me suis compromise, elle cédera. Ah oui, ah! Qu'elle est contente, nous allons triomphant, et nous partons gaiement le cœur à l'aise. Qu'elle est contente, car nous allons fêter, voir et complimenter l'armée française. Viviane, toi ici, et la pauvre enfant. Maman. Good morning, madame. Ah, et vous, miss, évidemment. Vous n'avez pas honte de vous faire le chaperon de ma fille, ici? What does that mean? Oh, mais laissez-moi tranquille. Avec son anglais, il n'y a pas moyen de l'attraper. Madame, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur. Malheureuse. Mais enfin, mais qui est-ce qui t'épousera après ce scandale? Mais lui, maman, je l'aime et je veux l'épouser. Le je ne sais quoi de Mademoiselle Gauthier. Mais je ne suis plus le je ne sais quoi de Mademoiselle Gauthier. Ah, vraiment, monsieur? Après ce qui s'est passé hier au soir? Absolument, oui, justement. Ce que vous avez pris pour toute autre chose, c'était une scène de rupture. Allons donc, dans cette tenue. Parfaitement. J'étais en train de dire à Mademoiselle Gauthier. Rien, je ne veux qu'il ne me reste rien qui vous rappelle à moi. Rien, pas même ces vêtements que vous avez touchés. Hein? Et, joignant l'acte à la parole, je les enlevais à mesure. 2 minutes plus tard, et je retirais mon gilet de flanelle. Tu vois, maman, tu peux bien me le donner pour mari. Oh, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Si tu crois que ton bonheur est là. Oh, maman! Oh, madame! Miss, je l'épouse. I will marry you, Mr. Capoul. Ah,
monsieur. Ah, enfin, c'est vous. Tenez, entrez, belle maman. Entrez, Viviane. Entrez, Miss. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, venez! Bousin! Venez! Mais non! Quelle horreur! Allez, on pense! Venez! Allez! Non, non! Monsieur de Boisganga! Je vous en supplie! Mais qu'est-ce que c'est? Voulez-vous vous cacher? Allez! Oh. Oh. J'en appelle à la postérité! Oh. Thank you.
de jouer devant vous ce soir et de Georges Feydeau. La musique originale est de Jean-François Varlet. Au costume, Bernadette Villard. Les décors sont de Stéphanie Jarre. Ouais. La mise en scène, la direction d'acteurs et la grande patience sont de Francis Perrin. Ouais.